Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises, une euro-dollar donc qui est bien repassée ici sous la zone des 1.1430 et qui se stabilise maintenant entre cette résistance et la zone des 1.1380. Donc on est toujours ici dans un biais relativement neutre hein, sur la paire de devises euro-dollar entre 1.1270 et 1.1530 grossièrement. Tant que les cours évoluent ici autour des 1.1430, eh bien, c'est totalement neutre sur la dynamique moyen terme. Par contre, là, il est clair qu'en dynamique court terme, eh bien, la tendance est fortement baissière, puisqu'après ici avoir validé donc la cassure de cette moyenne mobile, on voit que celle-ci s'est désormais transformée en résistance avant ici une attaque assez agressive sur la bande de Bollinger inférieure. Donc tant que les cours sont sous 1.1430, c'est très baissier d'un point de vue court terme. Et puis sur l'or, rien de neuf non plus, on est toujours dans cette phase d'évolution qui se fait entre cette zone ici des 1287$ l'once et la résistance des 1297. Donc une neutralisation court terme qui laisse le métal jaune dans une dynamique plutôt haussière d'un point de vue moyen terme, hein, puisque nous sommes ici au sortir de cette dynamique. Phase de consolidation donc, dont d'ailleurs nous pouvons constater que sur les retracements de Fibonacci, eh bien, nous avons un mouvement qui est à peine venu chercher ici le retracement des 23,6% de Fibonacci avant de se stabiliser au-dessus de ce niveau. Le 38,2 n'a pas été atteint. Donc on est ici toujours dans une neutralisation très court terme, mais dans une tendance qui reste orientée à la hausse d'un point de vue un peu plus moyen terme. Même constat sur le WTI dont l'évolution ici s'est arrêtée depuis désormais quelques jours. Nous étions là aussi sur un mouvement haussier. On est venu tester ici une zone horizontale à 52,80 avant de se stabiliser entre ce niveau et le support ici des 50,20. Donc là aussi d'un point de vue court terme, c'est relativement neutre sur cette dynamique. Toutefois, nous pouvons voir que la dynamique était précédemment haussière. On avait anticipé un retour ici dans cette zone 50,20-52,80 qui était la zone d'évolution du WTI avant ici de partir sur ce mouvement baissier et donc de connaître un pattern de retournement. On a désormais réintégré cette zone et le WTI se stabilise. Il faudrait passer dans un premier temps au-delà des 52,80 mais aussi au-delà d'autres niveaux comme les 55$ pour réimpulser une vraie dynamique haussière sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, après son attaque ici sur la zone des 3585$, nous pouvons constater que finalement eh bien, le support semble être réintégré, puisqu'après avoir subi donc une attaque relativement agressive, eh bien, on est revenu ici tester à de multiples reprises ce niveau dans la journée. Donc cela n'empêche pas au Bitcoin de rester ici dans une dynamique de fond qui reste orientée à la baisse, mais d'un point de vue court terme, le fait d'avoir eu ici ce retournement qui a abouti à un retour ici des cours au-delà d'un support qui avait été cassé précédemment va plutôt vers une probabilité de retournement de la dynamique. Le point d'invalidation de cette anticipation de retournement est ici la zone de point bas des 3483$ pour le Bitcoin. En dessous de cette zone, eh bien, nous aurions une confirmation de la poursuite du mouvement baissier sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.